Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, tout comme moi ça va. Aujourd'hui, on va faire un petit live tranquille, on va visiter un peu toutes les architectures de Restop, voir ce que ça donne. Je regarde si le son est bon, c'est bon, ok, tout va bien. Donc voilà, donc on va faire un petit tour. C'est bon, tout va bien. Allez, c'est parti. Oui, voilà, Pedro Camacho, notre ami, va nous accompagner parce que ça va être long, le temps de faire tous les restops, le quantum travel. Il n'y a pas souvent de musique qui accompagne, donc on va faire comme ça. Donc je vous ai mis en son. En arrière-plan des soundtracks de Pedro, et ça va être cool. Alors, on va prendre ça, un éclipse pour changer. Comme on est sur le PTU, on peut avoir tous les vaisseaux. C'est la première fois que je vais le piloter. Ok, c'est par là. Allez, c'est reparti. C'est vraiment une belle bête. Allez. Ah ouais. Du coup, il interagit bien. Allez, c'est parti. C'est loyer de la zone.
faire comme premier. Le PTU a l'air assez stable, d'après ce que j'ai vu, contrairement au 3.6.0. Et ça donne en quantum. Allez, ouais, c'est pas mal. Ah, c'est cool, c'est la première fois que je vois ça. Je vois un. Ok, c'est bon. On peut y aller. Allez, c'est cool. Allez, bon, ils s'en vont. Ah bah Suzanne, ils m'ont bloqué mon contour. On va avancer. Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce moment-là? Peut-être que je clear. Ok, c'est bon. Je peux pas sauter sur celui-là. Bon, bah, tant pis, on va essayer l'autre. Celui-là, c'est bon. Il va pas vous voir. Hein. Est-ce que je m'éloigne plus? Peut-être que je m'éloigne.
Ah, voilà. Du coup, je vais peut-être repartir sur Cruella. Maintenant qu'on peut... Allez. On va retenter le Cruella. C'est plus près. Allez. A retardé. Je coupe les moteurs, enfin, je coupe la poussée. Sinon, je vais me retrouver en drift à l'arrivée. Regarde bien ce que ça va donner. Je devrais pas la arrêter à temps. Les anciens restos, c'était la galère pour les trouver. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. On va avancer lentement. Caches-tu? Voilà, j'ai dévié là. C'est ici. Voilà. Par contre, le soleil, enfin, l'étoile va me faire chier. J'ai très peu joué sur la 3.6 pour l'instant.
me suis pas du tout spoilé les stations. Strafant sur la gauche. Parce que le soleil commence à me saouler là. Ah ouais, elle est belle. Voilà, vache. Thèse. Ça fait le café, comme on dit. Un peu. Voilà, comme ça avec l'étoile dans le dos, c'est nickel. Éclaire bien la station. Ah ouais. Ça rigole pas. Voilà. Et les pannes, il y en a, il doit y avoir un pas de là-bas, je vois des écritures dans le ciel, c'est ici. Ouais, ils sont ici. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait avant. Waouh. Je vais baisser un peu. Allez, on va aller à Hurl L3. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Ah, c'est par là. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment
un taf de malade. Waouh, franchement. Je sais qu'il y en a, il n'y a pas de station. Il y en a au moins une, c'est sûr qu'il n'y a pas de station. Je sais pas si ça le fait plusieurs fois. Oh, ça m'amuse à faire le tour du système. De toute façon, l'intérieur c'est toujours le même qu'avant, donc on va pas visiter l'intérieur. Ça sert à rien. On va juste admirer l'architecture extérieure. Stop. 117 km. Bon, ça va. On a de la distance. Il nous largue pas à 20 km de la station. Donc c'est bon. Attends de revenir. À un moment, faudra atterrir sur la station pour ravitailler. Apprécier les distances. Ah, et surtout aussi, je voulais vous dire, le 14 août, je vais faire une entorse à No Man's Sky, à Star Citizen, justement, avec No Man's Sky. Comme il y a la mise à jour Beyond qui va sortir, je l'attends très, très, très impatiemment. Et si c'est bien, je vais faire un live, mais cette fois-ci sur YouTube. Et si jamais elle vaut le coup d'œil, je ferai un let's play. Quand je vais repartir de zéro, un let's play avec tout ce qui va se passer. Voilà, on va arrêter. Oui, voilà. Thank you.
Bizarre. Version XXL. Aussi cette architecture là, ce style. Ah ouais. Bon là on connaît. Elle est plus simple que l'autre, mais elle est quand même pas mal jeune, j'aime bien. Je sais pas où ils vont amarrer leurs vaisseaux capitaux sur ces stations là. Peut-être que c'est pas encore installé. Ensuite, on va aller sur du côté par ici. Alors, quel trou ? Voilà, ça fait chier, c'est cet astéroïde là. On va aller sur Arkel 3. Et après, un coup, L5. Après, il y aura L4. Après, on va faire du côté d'Hearthstone. On va faire le tour comme ça. Et si on a fini, on fera une petite. Ah ouais, je peux pas le prendre. Faut que je change de vaisseau. Je ne pourrais pas faire de mission cargo. Transport Phoenix. C'est pas grave. Ah, j'ai toujours ce bug d'affichage. Et peut-être en faisant comme ça. Non, je l'ai toujours. Bon, enfin, c'est pas grave. Allez. Très bon boulot en tout cas. Comme ça, ou alors elle a explosé. Ils ont laissé leurs déchets, je sais pas. Allez, on est parti. Allez, encore. Cette fois-ci. Encore. Ok, ok. Ok, je ne bouge pas. Ah, faut rester stationnaire. Est-ce que...
Merci. Merci, monsieur Lalonde. J'attends qu'il se barre, on sait jamais. Ah, c'est cool, j'aime. C'est vraiment bien, c'est ce qu'ils ont implémenté là, comme ça. Là, par contre, là, je peux sauter. Alors que la première fois, j'ai pas pu. Ouais, vu qu'il y avait, sur mon avis, il y avait pas de zone. Comme je suis carrément dans une zone perdu là, je pense que c'est ça. Tout est là avec la juridiction, je pense. Il fallait que je sorte. Donc après, alors vu que là c'est bon, il n'y a plus de. Par ici après, à la fin, Cruel 4, Arkel 5. Donc on fera ça, après on ira sur Cruel 5, Earl 4, après on reviendra sur Hearthstone ici. On fera L4, L3 ici, L2 et L1. Puis après on reviendra ici. L5. Sur hardcore, ou alors on fera peut-être ici directement, revenir ici, 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 puis revenir cruiser. En plus, c'est bon, j'ai pris un vaisseau avec pas mal de fuel de quantum. On est tranquille un petit moment. Au niveau de Nova Sky, je crois que je vais refaire une, je pense que c'est plus simple, c'est de refaire une sauvegarde, recommencer depuis le début. J'avais déjà fait ça sur Next il y a un an, lors de la dernière grosse mise à jour. Je pense que je vais faire ça. Ah, j'avais été dégoûté quand même parce que j'ai perdu tout. Enfin, pas perdu, mais oui. C'est vrai qu'ils avaient transformé tous les trucs, toutes les items. Tout a été faussé. Donc il a fallu que je recommence tout depuis le début.
Ah, j'étais bien avancé en plus dans la toute première. Que je l'ai depuis Day One. Je l'ai pas quitté depuis. Voilà, faut dire que ça fait 3 mois que j'ai pas joué. Ouais, 3 mois que j'ai pas joué parce que il y avait Star Citizen à côté. Donc voilà. Donc on va devoir recommencer tout depuis le début. Refarmer et encore. Parce que sûrement les tous les items vont être modifiés. Ça promet d'être cool. Ah, j'avais fait des bases partout. J'avais fait des bases partout dans tous les biomes sous-marins. J'avais fait je sais pas combien de planètes pour trouver des biomes sous-marins intéressants. Après sur les biomes extraterrestres aussi, j'avais fait des bases sur les toutes sortes de planètes. Ah, c'était bien, c'était cool. Franchement, attention, on arrive. C'est ça que je trouve chiant, c'est qu'il faut tout refarmer depuis le départ. Faire le point aussi sur ces points de Lagrange où il n'y a pas de station, ça m'évitera quand je ferai un ravitaillement de me diriger vers ici et puis qu'il n'y a rien. Ouais, ici il n'y a rien. Deuxième fois. Donc Arkel 3, il n'y a rien. Ah, obstrué. Mais c'est quoi? Pourquoi il est obstrué? Légèrement, je pense.
Attendez, il doit y avoir un astéroïde devant. Ah, il a pas une vitesse folle. L'éclipse. 981 vitesse max. Quand il y a aucun obstrué. Sur des lavards et puis après je reviendrai après dessus. Je pense que c'est la meilleure solution, partir sur des lavards. Je vais regarder tout de suite. Alors les 4, il y en a un, c'est bon. Carte, je te jure. Après, du côté Northstone. Oui, il y en a un. Alors ici, sur L2 aussi, il y en a un. Après, sur Cruel 3. Ah, j'ai pas été. Ah, j'ai oublié URL 4. Et non, c'est bon, je dis des conneries. C'est juste le point qui me montre. Arkel 4, il n'y a rien non plus. Bon, on va ressortir de là. Encore. Oh là, ça fight. Bon, je crois qu'il est occupé.
Ah, mais c'est pas vrai. Bon, bah, faudra attendre. Hein. Voilà. Bon, on en était où? Bon, on verra au fur et à mesure parce que là. Oh non, mais c'est pas vrai. Quelqu'un ou pas là? Oh, il y a personne. Hein. Allez. On relance une nouvelle fois. Peut-être que je relance direct. Demande sur le prochain arrêt stop là. On va être trop tard, on va faire comme ça. Enfin, je ferai peut-être encore une nouvelle interception. Peut-être, peut-être pas. Bon, je vais les faire au fur et à mesure parce que sinon je vais me perdre. Pour l'instant, c'est assez stable. Ça va quand même assez vite. Hein. Il y a quoi comme. Sur ce vaisseau là. Système. Quand on prend. Ah non, c'est la taille 1 pourtant. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont pondu pour celui-là?
Et voilà, là il est plus obstrué. Et c'est cool. Qu'est-ce qu'il fait la calibration? Ah. Été aux fraises. Large. Allez, cette fois-ci. Déjà de l'extérieur. Ouais, mais on voit vraiment, vraiment pas grand chose pour l'instant. Un peu dans le style de la première. On va se mettre de ce côté là. Voilà, il est tranquillement.
musique originale. Jusque là-bas au bout, je pense. Ah, si ça serait ça, ce serait génial. Pas déçu du voyage. Fuel. Ouais, il va falloir
enfin bientôt penser à faire le plein. On fera peut-être le plein sur celle-là, tiens. Mais on essaiera, si ça marche pas, on fera sur l'autre, sur la prochaine. Parce que je sais pas si ça a été réglé, ce problème qu'on avait. De temps en temps, on pouvait pas ravitailler ni réparer. Faut dire les deux seules fois que j'ai fait un peu sur la 3.6, j'étais en train de faire du minage, je me suis fait éclater à chaque fois, donc j'avais pas eu le temps de ravitailler. Comme maintenant c'est plus compliqué à prospecter, ça nous prend plus de temps. Donc, au bout de 2 heures que tu t'es fait chier à miner, il y a un mec qui arrive qui te défonce. Avoir le seum. Non, je l'ai vu déjà sur la première vidéo que j'avais faite sur la 3.6. Le précédent live. À la fin, je me suis fait éclater. Et une autre fois avec les membres de la KEC, une sortie minage, je me suis fait éclater aussi. D'ailleurs, les autres aussi se sont fait éclater. Parce qu'il y a des connards. Qui se croit sur Fortnite ou sur Call of Duty. Enfin, ça n'est pas grave. On arrive bientôt 9 millions de kilomètres. Est-ce qu'il va le faire d'une traite ou pas? Ou est-ce qu'il va encore avoir une interception ou une surchauffe? Seul l'avenir nous le dira. Qu'il y aura le temps de s'arrêter encore 6 millions de kilomètres, je ne pense pas qu'on arrivera au bout. Enfin, à relancer. Ce qui va décélérer lentement. Déjà là, ça commence. Là, on le savait, on n'aura pas de problème d'over mode. Comme c'est pas activé dans l'espace. Faudra que j'essaye d'atterrir dans un hangar. J'ai pas encore essayé. On va devoir s'arrêter là. Ouais, j'ai pas encore essayé l'over mode sur un hangar. Ce
sera le prochain défi. Allez, encore une fois, bonsoir, je suis à l'arrêt là. Emergency stop, ok, encore du fight. Bon, bah, on va continuer sa route. Le mec est occupé. Ouais, salut, hein. Ah, putain. Interception. Faut se décider les gars, soit vous m'arrêtez, vous me bloquez, vous m'interceptez correctement, ou soit vous me foutez la paix quoi. Oh non, encore. Bien sûr, je suis pas à l'arrêt. Ah mais c'est pas vrai, à mon avis c'est doit être un résidu de l'autre. Aussi rapidement c'est un résidu de l'ancien la précédente interception. Allez, laisse-moi partir. En tout cas, il n'y a pas de marquage pirate. À mon profit, tout va bien. Je suis pas pirate. C'est qu'il y avait personne. Freeza 64.
kilomètres. Canary, ah, il me saoule. Alors, là, c'est dans le même style que la première, à peu près. Ouais, à part qu'ils ont ajouté un anneau là-bas plus loin. Ici aussi, ouais, un bout de port il sert. Ouais. Et toujours pareil, je pense toujours ça. Je pense que ça doit être un genre de tunnel pour une navette. Ça est bien éclairé de ce côté-ci. Petit screenshot des familles. Bah ça, la préférée, c'est bien là, toujours la première. Donc là, est-ce qu'on peut apponter ici sur ces... c'est seulement pour est-ce qu'ils sont actifs ou pas. On va voir ça. Je l'ai vu, il est, on dirait que c'est que cela. Peut-être que ça aussi c'est prévu peut-être pour les vaisseaux plus gros, je sais pas.
descendre lentement. Atterrissage sur une planète. Si on n'arrive pas sur Earl L1, on ira assez sur Hearthstone. On sera détaillé. Ici. Et après, on choisira un autre vaisseau. Un vaisseau cargo. Quoi encore? Encore? Ouais. Oh les gars, faut arrêter de... Je viens de me faire contrôler, non?
Attention. I have been authorized to scan your vehicle for contraband. Please halt and stand by. C'est abusé là. La sécurité là. Moi je crois que je vais faire un tour sur Arcorp. Si je peux pas ravitailler, ben je prendrai mon Avenger ou un autre vaisseau cargo qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir utiliser. La dernière fois j'avais fait la série des 300 du Regime Celebration. Faudrait que je regarde ce que je peux prendre. Bon, moi j'ai déjà eu le Gitang, je l'ai déjà eu. Regardez. Un vaisseau avec du cargo, peut-être un freelancer. Allez, on va essayer un freelancer. On va prendre le freelancer dur, on va avoir le maximum de quantum. On va devoir refaire un ravito. Là je peux pas, je vais sur Hearthstone. Et là je vais quand même faire un tour sur Hearthstone. On va tester l'overmode sur dans le hangar. Sur planète c'est bon. Et dans le hangar, j'ai pas encore essayé. Si j'y arrive pas, si je sens que ça part en sucette, allez, 1 million de kilomètres, on arrive, on va aller admirer ça. Il nous reste à peu près 1 heure,
je pense pas qu'on aura le temps de faire de mission. FedEx. Allez, 100. Encore 300 de Quantum, ça devrait être bon. Je vais faire le. Je vais faire un tour d'abord à l'autre stop. Alors L3 après. C'est celui qui est juste derrière la planète. Il va falloir que je fasse le tour de la planète pour aller visiter. Pour aller visiter. Je vais faire aller visiter d'abord. Et après. Bon, je vais déjà faire le plein, voir si je peux faire ici. Et après on essaiera d'atterrir dans un hangar. Chercher un freelancer. Allez, 99 km. On le voit là-bas, au loin. On voit une baguette. Ce qu'on voyait au loin, c'était le disque. Le grand disque. Je peux enlever. Voilà. On y est. Alors. Ouais, c'est juste un grand disque. Ah, j'étais vraiment dans une vue de l'arête. Là c'est un grand disque avec une longue tige. Ça, c'est vraiment la plus simple de toutes. Et on le sent. Sans qu'on se déporte ici. Ils peuvent pas mettre de vaisseaux capitaux sur ces barres intermédiaires, c'est pas possible. On pourrait peut-être en mettre un juste là-bas au fond sur la première, le premier pad. Il y a encore 4 pads là. Simple, mais ça fait le café. Et là le disque est complet. Ouais, c'est un disque complet. Voilà ça. Ouais, même des pads là-bas tout au bout. Voilà, on va essayer de ravitailler ici. Screenshot avec l'étoile qui brille, qui illumine. C'est magnifique, hein. Franchement. Il n'y a pas à dire, c'est propre. Et puis
putain de boulot. Bon, peut-être déjà que j'appelle un pad. Chose, peut-être les refroidisseurs, peut-être comme j'ai fait pas mal de freinage en surchauffe. Peut-être que c'est ça. Alors, c'est bon, je suis rechargé en quantum fuel. D'accord. Et donc, je vais. C'est bon aussi. Quand même impressionnant cette grande barre là comme ça. C'est vraiment des architectures énormes. Oh la vache. Le moindre détail. Dégâts qui se barre, qui prend la tangente. Ouais, c'est cool. Allez, on a encore du chemin à faire. Moi, je vais garder l'éclipse. Ouais, qu'est-ce que je fais? Allez. On va aller sur Earl L2. Quelque chose, ouais, ça serait quelque chose. Ouais. Ah, c'est aussi un anneau comme ça. Mais peut-être légèrement différent au niveau des tiges. Alors,
Et il va pas prendre le... Bon, on va faire... On va d'abord aller voir le Cruel 3. On reviendra dessus. On reviendra après. Sur la zone, l'autre après, tant pis. S'il faut, après, on fera un petit plein pour compléter. Oh non, putain, c'est pas vrai encore. Allez, sûr, je suis arrêté là. Ok, vas-y. Je suis là. Ah, ok. Deux côtés là. C'est une Valkyrie. Ah, c'est une Valkyrie. Du coup, j'ai perdu moi. J'ai perdu ma route. Ah, c'est un Valkyrie. Ouais. De quelle classe un Valkyrie? Un Black? Un Black? Non, je sais pas. Ok, c'est des c'est Valkyrie. Deux contrôles l'année dernière et l'autre. C'est bon, je suis déjà fait contrôler une fois. C'est bien.
la première fois que je me fais contrôler. Autant. Sur celui qui est un peu plus loin là-bas et essayer de revenir après sur celui près d'Hearthstone avant de continuer. Je crois qu'il n'y a rien sur celui-là. Je suis pas sûr. Non, sur celui-là, il n'y avait rien. Ah, c'est pas vrai. Allez, on va pousser sur L4. Ça tombe bien. Ouais, y a rien. Ah là. Fait le voyage pour rien. Allez. Ah, c'est pas vrai, je sais. Le voyage pour rien. Je pensais qu'il y en avait un là. Ah chier. Alors moi on peut aller dessus. Bon, on va encore se faire contrôler ou pas? Et ouais. Ah, c'est pas possible. Non, c'est bon, je suis à zéro. Allez, ramenez-vous. Hein. Faut que ça à faire. Allez.
Mais vas-y. Ils sont où là? Toujours pareil. Deux Cutlass. Deux Cutlass à Valkyrie. Allez go. On sait tout hein. Mais non. C'est une blague. Ils n'ont rien d'autre à faire. Maximum c'était deux contrôles à chaque fois. Je pense pas que maintenant on va laisser tranquille. Ah fait chier, j'ai fait le voyage pour rien. Perdu du temps. Et après, donc ici. Ça me permet d'aller sur Earl L5. Ah, s'il y a quelque chose. Oui, il y en a un ici. On ira après. Et après, est-ce qu'il y en a? Bon, je suis pas l'air corps qui en a, ça c'est sûr. Les deux là, il y en a. Il faut voir ces deux là. Et après, on reviendra ici. Ah bah, on aura fini. 2, 4. 2 et 2, 4. Et après, il faudra qu'il fasse les points de Lagrange Microtech. Ouais, il n'y a plus que les deux là. Et les deux là, potentiellement. Après, ici, je les ai déjà fait. Peut-être pas un L3. Deux grands roues comme ça autour de la station, non, ça ne dit rien. Thank you.
légèrement différente de celle qu'on a vue tout à l'heure. Ouais, là celle-ci. L'anneau est coupé. Pas d'ici, deux de l'autre côté je pense. Ouais, pourquoi ils mettraient des pas d'ici? Là on dirait des systèmes d'amarrage ici. Il y a peut-être un assiette normal, ouais. Ce que je pense. Hein. Là il y aurait un vaisseau. Capital ici. Il y a un autre ici. Un qui se mettrait comme ça. Dans les deux sens opposés. Peut-être ici pour les vaisseaux capitaux. Là les gros vaisseaux. On peut piloter, je pense. Tel l'Idris. Ouais. Et je pense que ça va être des systèmes d'amarrage. Les ondes bougent.
d'après les deux arcs, après de l'arc corp, c'est bon. Il y en a. C'est obligé. Allez, ah, c'est pas possible. Je perds un temps fou avec ces contrôles à la con là. J'ai rien, j'ai même pas de cargo. Je suis qu'un chasseur. Il y a un bombardier, mais là. J'ai même pas été voir la skin pour avoir une pochette dedans, mais même pas. Ok. Ça m'a le temps de tout faire. Je vais jeter un coup des pouvoirs tout de suite. Comme il nous en resterait. Donc après, il nous resterait Erwin. Il nous resterait L3. Allez, où est le 4? Arc L5. Voilà, c'est celui avec les deux anneaux. Ensuite, on resterait Arc L5. Il n'y en a pas. Pas sur Arc L5. C'est le même là. Arc L5. Avec L3 et Crew L4. C'est les mêmes à peu près. L2 n'a pas. Il n'y a pas de restop sur Arkel 2. Ok. Ok. Arkel 2 n'a pas de restop. C'est bon à savoir.
On en était. On ira peut-être faire un tour par Arkella. Oh non, mais... Oh, mais c'est pas assez saoulant. Putain, vous êtes chiant, les gars. J'ai rien, Léo. Peut-être une que je vais snobber. Celles qui se ressemblent les deux pareilles, là. C'est-à-dire... L4 ou Earl L3. Ouais, je vais aller voir Arkella et après je choisirai entre L4 ou Earl L3. Comme c'est à peu près les mêmes. Et celle-là, c'est du genre Corlissar. Et celle-là, elle est pareille, aussi à deux anneaux. Bon, je crois que je vais viser un L3 pour pouvoir après rentrer tranquillement ici et ici. Ah, il y a encore celle-là aussi. Celle-ci. On ira faire celle-ci et un L3 avant de rentrer à cruiser sur Corrisa. Et ça devrait être bon. Hey, salut Triscar. Comment ça va? Membre de la KEC. Ah merci, c'est sympa. Merci pour le fou. Alors, où est-elle cette putain de station de merde? Allez, vas-y, montre-moi. Là-haut. Oh. Fais-moi rêver. Ouais, moi ça va bien. Ouais, ouais, je fais un restop tour. Je regarde un peu toutes les nouvelles architectures. J'ai déjà fait les trois quarts là. Elles sont vraiment cool, franchement. Voir comment ils ont changé. Oh là, salut Tragante. Tragante tout. Oh là, amigo. C'est bon, la voix. Je vais couper le contour. On va voir ça.
cette caméra. Oh putain, je suis allé trop vite. Hop, tout va bien. J'ai mal apprécié ma vitesse. En vue extérieure, c'est pas évident. Et tout va bien. Premier fail du live. Voilà. Voilà, comme ça on est mieux. Pas mal aussi. Ça me fait penser. Et toujours avec ce long tube. Et toujours ici les pattes décalées. Assez troublant de pas savoir ce que c'est encore. On devrait bientôt le savoir, on devrait bientôt être d'actualité. C'est la barrage. Ensuite on avait dit ouais, celle-ci je vais voir ce que ça donne en réel. C'est reparti. Oh non! Mais c'est pas possible. Ça doit faire la 15e fois. Là. Et toujours aucun pirate, toujours ces putains de sécurité. Ah, j'en ai.
Changer de disque, les gars. Fois que je me frappe. Ok, merci. Allez, salut. Je les compte plus tellement. Par moment, deux fois de suite. Là, ça risquerait peut-être encore d'arriver. Attention. Attention. Non, miracle. Si, voilà. C'est pas possible. J'ai jamais eu aucun. Ah, il y a un y occupé. Bon bah, salut. Hein. Ah, bien sûr, il va falloir que je quitte. On va pouvoir sauter. Que je quitte cette zone. Allez, dépêche-toi. Allez, 12 millions de kilomètres. Et après, on retournera près de Crusader. C'est-à-dire. Sur. Earl L3. Comme Crew L4 et Earl L3 se ressemblent quasiment. On va aller plutôt sur Earl L3. Et après on aura fini notre tour. Allez. Et après on sera... On devrait arriver... sur L3 pour la fin du stream. On y arrive presque, ça devrait le faire pour la fin. Ouais, il mettra à peu près 10 minutes pour faire le voyage vers le dernier point de Lagrange.
tout cas, elle est très stable, les serveurs sont stables. Pas eu un problème. 2h20 de stream, aucun problème pour l'instant. C'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Ça donne envie de farmer, surtout en prospector. Parce qu'avoir un crash alors que ta soute est presque pleine, t'as de quoi avoir le seum. Alors, on y est. Où te caches-tu? C'est là d'être là-haut, juste au-dessus du viseur, du réticule. Ouais, c'est ce que j'avais pensé. Je l'avais deviné. Allez, cette fois-ci on va pas se mettre trop tôt en vue extérieure pour pas avoir la même mésaventure que tout à l'heure. D'ailleurs, je vais réduire mon accélération déjà. Waouh, 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 je suis là mon gars. Oh la vache, il me frôlait. Je pense pas que c'était un joueur. On va se mettre légèrement décalé en cas de problème. On va voir ça. Encore un nouveau style. Ils auraient mis des grands panneaux solaires à la place de ces panneaux là, ça aurait été encore plus stylé. Des grands panneaux solaires là. Comme il y a déjà une qui a des grands panneaux comme ça, mettre des panneaux solaires en plus, ça aurait été en plus l'étoile elle frappe en plein dans le mille. Ouais, c'est, on va descendre un peu. Sur celle-là, il n'y a pas de panneau solaire, c'est dommage.
Et ça a vraiment plus rien à voir avec les anciennes. Waouh. J'ai encore des screenshots des anciennes là. Ah, c'est vraiment. Bon, allez, en vitesse. Allez. On va vite revenir. Près de Crusader. Allez, c'est parti. On aura assez pour faire le voyage. Il est là-haut. Hop, allez. Quoi, obstruit? C'est pas vrai. Laisse-y me filer. J'aurais dû décaler de l'autre côté. Obstrué par quoi? Ah, c'est pas grave. Et j'ai pas eu d'interception. Peut-être près de trouver là. Et là pour l'instant, pas d'interception. Je sais pas ce qui bloque.
franchement. Je vois pas ce qui peut bloquer. C'est pas grave. On terminera là-dessus. On aura vu quasiment. Oh non! On aura vu quasiment toutes les architectures. À part une et. Fight, rien à faire là-dedans, moi. Allez. Allez, on va sortir de l'interception. Parti. Espérons ne plus nous faire stopper. Non, c'est pas possible. Ouf. J'arrête à temps. Ouais, j'ai pas de contrebande. Vous voyez pas que je suis. Que je suis en bombardier. En éclipse. J'ai pas de quoi par un sachet de. Notre ami. Voilà ce clim. À part ça, j'ai rien d'autre. Hein. Peut-être dans mes bombes, peut-être. J'ai caché de la drogue dans mes bombes. Peut-être que c'est des missiles du marché noir, je sais pas. Ils me font perdre un temps fou avec leur contrôle. Ils m'ont fait dépasser. On verra bien si j'arrive pas à atteindre le point de la vengeance d'Hurston là. Je m'arrêterai là-dessus. D'ici là que j'ai un nouveau contrôle en repartant, il n'y a pas loin.
relancer le système. J'espère être tranquille jusqu'à là-bas. Je pète un peu, hein. Si y a tout le contrôle. C'est pareil, les gars. Communauté. Regarde, la vie, il faut le laisser passer, quoi. Stop là-bas. Dernier style d'architecture. C'est avec les double anneaux. On va y arriver. Quasiment la moitié. On aurait pu être emmerdé par les contrôles d'ici là. Bah tant pis, je vais jusqu'à prouver la 1, puis après je vérifierai si je peux bifurquer sur le point de la rouge d'Hurston là. C'est la moitié. S'approche du dernier tiers.
approche. Accélère un peu. Power et qui disparaît. Bizarre ça. Ou alors il a disparu rapidement. C'est bizarre, d'habitude il tient plus. Ça tient plus longtemps. Bon, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'attraper L3. Est-ce que je peux... Oui. Voici. On va y aller tout de suite. Merci, thank you, Eranid 628, thank you. C'est bon pour partir. Je voudrais être tranquille jusqu'à la fin.
Wow. Pas possible. Dernier contrôle, je pense. Je me pose et je coupe le stream. Ils m'ont saoulé. C'est bon, je peux y aller. Elle est emmerdée, les pirates. La dernière fois, je me suis fait défoncer. Là. Personne n'a rien fait. Quantum travel initiated. Enfin, on touche au but. Ça n'a pas été sans mal, mais on y est arrivé. Le reste top tour touche à sa fin. Ouais, je vais me poser et puis ça sera la fin du stream. Le tour du système comme ça, c'est waouh. Et après ça sera encore pire avec Microtech. Il y aura à nouveau quelques points de Lagrange supplémentaires. De la masse d'astéroïdes là. Ouais, voilà, ça clignote. C'est bon, je peux arrêter le. C'est bon, oh, ça clignote fort en plus d'ici. Sarbis quasiment.
moi comme ça, ça a toute la structure de Port-Olissard. Gigantesque tout en longueur. Bon, on va aller se poser. Ah, c'est ça qui manquait à celle précédente là. Des panneaux solaires. Sur un pad. Allez, on va se poser. Et on se laissera là-dessus. Ouais, mais ici, ok. C'est nickel. Et ben voilà, on est arrivé sur le dernier stop. Le vaisseau est en un seul morceau. C'est nickel. Allez, on va quitter. Voilà, on va cesser là-dessus, les amis. Merci d'avoir regardé le stream.
c'est simple, hein, cette sortie là, comme ça, faire le tour des restos. Franchement, c'était cool. Bon bah voilà, je vais mettre la, je vais la mettre sur YouTube. Le plus vite possible. C'était vraiment vraiment cool. En plus avec les leçons de Pedro Camacho derrière, ça rajoute de la magie dans les images. Bon bah voilà, on va se laisser là-dessus. Moi je vous dis à la prochaine. Likez, commentez, partagez ma vidéo sur YouTube. Allez voir les autres vidéos, le travail que je fais. N'oubliez pas aussi d'aller rejoindre l'asso Pulsar 42. Le lien est dans la description de la chaîne et dans la vidéo que je vais mettre. Tout est décrit dans la vidéo, enfin dans la description. C'est nickel. Et d'ici là, je vous dis d'ici la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut, salut. Ciao, ciao. Bon week-end.